moque de moi. On était assis tous les deux sur un banc dans le jardin de ses parents. Elle était encore plus belle que d'habitude. Je lui ai dit, c'est pas possible d'être aussi belle, comme si tu faisais exprès d'être plus belle à chaque fois. Je la tenais par les épaules, comme ça. Et là, au moment de lui dire, son nom va là. Ça sortait pas. J'avais un nœud dans la gorge. Elle était là. Elle attendait ma phrase. J'avais l'impression qu'elle me disait oui, allez, allez, dis-le-moi, dis-le-moi. J'attends que ça, dis-le-moi. Et moi, je suis plus rien. Et moi, c'est pareil, hein. C'est bizarre. Plus je m'approche d'elle, plus j'ai l'impression d'avoir du sang sur les mains, d'être incriminé. Alors j'ai rien fait de mal, moi. L'impression qu'elle me regarde en me disant mais t'as du sang sur les mains, alors que c'est pas vrai. Je me lave les mains toutes les heures tellement. On se voit tous les jours, entre concombre et défense. Et quand je la regarde, j'ai tout qui tremble en moi. Et au moment de lui dire, pourtant c'est pas compliqué. Mais ça bloque. Je me dis, sois courageux, vas-y. Où sont nos valeurs? J'ose pas. J'aimerais lui avouer, mais j'ose pas. Comme si j'avais honte de lui dire ça. Bah oui, parce que si je lui dis pas, elle va me quitter. Et si je lui dis, eh bah c'est pareil. Pourtant, je sentirais fier de lui dire ça. Mais bon, voilà quoi. Ça va pas les gars? Faut être fier de ce qu'on est, fier de ce qu'on fait, fier de ses sentiments. Allez, relevez-vous! Quand tu es près de la fille que tu aimes, pas de complexe, tu la regardes au fond des yeux. Et quand elle te pose la question, la grosse question, tu lui réponds direct, franchement, sans hésiter. Au lieu de lui dire je, et puis plus rien. Tu dis à la fille que tu aimes, je te pose une devinette. Mon premier est un révolutionnaire. Mon premier est un président des States. Mon second un révolutionnaire. C'est quoi? Alors c'est quoi? C'est facile là. Pour le président, c'est George Bush là. Et le révolutionnaire, c'est Che Guevara. Boucher. Elle m'a répondu, je t'aime. Boucher, on a ça dans le sang. On a ça dans les tripes. Et le pire, c'est quand une cliente me demande si j'ai du cœur, je réponds, bah oui, j'en ai même deux. Celui-là et celui-là. Et quand une cliente me dit, je voudrais un bon morceau bien tendre. Je me dis, tiens, elle parle de nous. Ils sont bons, ces bouchers. C'était le groupe numéro 32 dans « Où sont nos valeurs ?» interprété par le CFA des métiers de la viande, que l'on peut encourager, s'il vous plaît. Important, le métier de la viande. Le thème qu'ils avaient choisi était leur formation. La mise en scène est de Marc-Michel Georges. Merci pour lui. Et les comédiens sur scène étaient Louis, Sacha et Christopher, que l'on peut encore applaudir.